Aujourd'hui, j'ai exposé les stats d'un streamer qui rage. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car elle est vraiment incroyable. Si dans des jolies blondes. On est sur Twitch et je vois que je suis un Solaris et Rose. On clique sur son live. On est chaud, cacao. On est chaud, le cacao. On est chaud, le cacao. Oh, oh, on est chaud. Mais ce streamer est fou. Regardez, il est en train de danser. Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va exposer ses stats et regarder son titre. Solaris et Rose, 1000 topants en chapitre 3, alors que le chapitre 3 est sorti depuis une semaine, 43 kills par game en moyenne et recherche structure joueur pro. Ce joueur a l'air incroyable. Ok les mecs, le streamer a lancé sa première game. Ok mon petit pote, c'est carré dans l'axe, première game de la journée. J'espère que je vais faire un petit top 1 comme d'habitude, ça change pas de toute façon. Objectif aujourd'hui les gars, 60 petits top 1. J'ai sauté sans le vouloir, ok c'est carré, écoute on va aller là. Les gars vous avez bien entendu, ce streamer veut faire 60 top 1 dans la journée. Mais il est fou, c'est impossible. Tu l'as vu, je l'ai vu, hop oh, petit laser ça dégage. Aise mon ref, retour lobby. Aise mon pote, retour lobby, ça dégage, t'as cru que je suis là pour déconner moi. Mais son level est incroyable, regardez les gars son shoot. Les gens ils ont tellement peur de moi, après c'est compréhensible hein. J'ai dû faire facile entre 900 et 1100 top 1 avec la couronne. Ah, je crois qu'il y a un bug d'affichage les gars. Les gars le streamer a dit qu'il avait fait entre 900 et 1100 top 1 depuis le début du chapitre 3. Et quand il a affiché la couronne, mais en fait il en avait que 16. Et là il a fait genre qu'il y avait un bug. Ah, les gens ils ont trop peur de moi. Ça ça sort le fight, ça ça sent bon ça. Des petits kills, il y a deux mecs. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait le boulot? Oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et si? C'était sûr en fait! Shoot impeccable. Il a déjà 3 kills, il est en top 50. Mais vous savez que je commence vraiment à m'ennuyer sur ce jeu les gars, tellement que c'est simple. Hein. Oh le bougre! Les gens ils savent pas qu'en fait c'est moi qui ai entraîné TXZ les gars dès le début du jeu. TXZ, la team Vitality, toutes ces structures e-sport, toutes ces teams e-sport les gars. Le joueur est déjà à 4 kills par contre j'ai remarqué, il se vante beaucoup. Ouais. T'as pas peur de moi quand même. Oh! On lui a volé son kill. Oh oui bébé. Mais les mecs, ce streamer, j'ai jamais vu ça. Il est trop fort. Vous avez vu ce qu'il vient de mettre au sniper? Incroyable. Nouveau fight. Oh non. Incroyable, t'es trop chaud mon ref. Sérieux les gars, quand est-ce qu'un jour il va y avoir des bons joueurs sur ce jeu les gars là? Il vient d'enchaîner un 6ème kill et il change pas, il se vante toujours. Et nous les mecs on s'appelle le recruteur et on va lui dire bonjour, ton level est incroyable et digne d'un joueur pro. Yo le recruteur, bonjour, ton level est incroyable et dingue d'un joueur pro. C'est vrai, ça fait plaisir, bon après on me le dit souvent. En tout cas merci d'être là, ça fait plaisir. Même avec moi il se vante, je le complimente mais il fait genre qu'il a l'habitude d'avoir ses compliments. Il est incroyable. On va lui dire top 1 égale cadeau de Noël. Mais là, il y a un mec qui va se fight. Ben ouais, mon pote. Ton pote égale cadeau de Noël. Oh ouais. Vas-y, vas-y, je suis chaud. Il a 16 HP. Va-t-il le faire? Il a récupéré un peu de vie et il vient de faire un kill. Il a actuellement 9 kills. Encore 1 kill, 10 kills. Le 10ème kill. Allez hop, ça dégage. Je suis désolé mon ref, retour au lobby. Fortnite est trop facile pour ce joueur. Il est déjà plus qu'en top 3, encore 2 joueurs et c'est le top 1. Ah non. Bon bah les mecs, le streamer s'est fait karma, il s'est mangé un top 3. Là on est parti sur Fortnite, on va streamer avec le streamer en banane. On va le tuer et on va lui montrer que lui aussi il peut faire des top 99. Bon bah nice, deuxième petite game de la journée, c'est carré. Cette fois-ci on va pas leur laisser l'opportunité de faire un petit top 1 hein. Cette fois-ci les gars je vais vraiment tryhard de ouf. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis capable les gars. Bah ouais chill, on va spawn ici. En tout cas ça va quand même, première game de chauffe les gars. Petit top 3, 11 kills, c'est plutôt sympa. Je me suis bien amusé. On est dans le bus et on voit que le streamer est au point bleu. On saute directement et on va spawn à un endroit à côté de son spawn. On commence avec un petit pistolet. Maintenant on va un peu farm, on va chercher un petit pompe. Go farmer et ensuite go tous les laver, voilà. Et je vois aussi les gars que le streamer est déjà sorti de son spawn. On va être full shield, on va être très très bien. Les gars, je pense que le streamer est juste devant. Mais oui les gars, le streamer c'est lui avec son skin Spider-Man gris. J'ai raté ma balle. What? Il m'a vu. Petit bambino. Oh je sais pas quoi faire. On doit absolument le tuer là.
Wouh, petit bambino. Il danse, il veut me troll. J'ai plus de construire, les mecs. Voyez, voilà ce bambi. Vous avez vu, les gars, ce que c'est quand même la MM? Là, les mecs, je suis caché depuis plusieurs minutes. Mais qu'est-ce qu'il fait, le streamer? Pourquoi il me tue pas? Il danse, on le tue. Pourquoi il danse? Ça va ou quoi, mon ref? Ta grand-mère! Mais ta grand-mère! Mais il est malade, ce streamer. Oh, le Père Noël! On vient de l'éclater, les mecs. Qu'est-ce qu'il fait, wesh? Là, les gars, on construit vite et très en hauteur et on va se suicider. Comme ça, il va capter que notre objectif, c'était que de le tuer. Et je pense aussi qu'il a cru que j'étais un gros bambi et c'est pour ça, du coup, qu'il voulait pas me tuer. Et là, les gars, du coup, on danse. Vas-y, il me troll en plus, gros. Vas-y. Et salut, mon pote. Allez, vas-y, c'est bon. Ta grand-mère! Père Noël de merde! Putain! C'est pas possible de se faire troll par un mec comme ça, gros! On est de retour sur le live du streamer et on va lui envoyer un petit message. Tu avais pas dit que tu allais faire top 1 cette game, car là tu te rapproches plus du top 99 que du top 1. Tu avais pas dit que tu allais faire un top 1 cette game, car tu te rapproches plus du top 99 que du top 1. Vas-y, c'est sympa ça, mon ref, c'est sympa. Après, des top 1, j'en fais tout le temps, tu vois. Vas-y, sur 10 games, je vais faire aller 9 top 1. Ce gros bâtard de Bambi de merde qui fait style qui. Vas-y! Les gars, le streamer il rage à mort par le Bambi qui l'a tué, mais le Bambi, les gars, c'est moi! Et ça, il le sait pas. Et là, les mecs, on va lui faire une grosse proposition très valorisante. Zeros, je te trouve exceptionnel. Ta qualité de jeu est formidable. Je te propose de rejoindre une structure e-sport du nom de Solari 2.0. Ton salaire sera de 10 000 euros par mois si tu signes le contrat avec 1 000 euros en prime par top 1. Ouais, je vais venir mon gérant. T'inquiète même pas, Rouya. Alors, du coup, Zeros m'en a parlé un peu de ce contrat là, bizarre là, qui a été envoyé. Bon, 1 000 euros par top 1, c'est pas mal. Mais bon, 10 000 euros par mois, vu sa qualité exceptionnelle, surtout dans la saison là qui vient d'arriver, c'est le meilleur joueur, je pense. Il a fait pas mal de top 1 et je pense que il mérite mieux. Donc à voir avec lui, on va en discuter et on verra bien. N'oublie surtout pas, c'est un joueur hors norme. Ils a l'air de trop y croire et son manager il m'a fait trop rire. On lui dit ok, ajoute-moi Epic Père Noël, on va discuter de tout ça. Père Noël? Attends, c'est pas toi tout à l'heure qui m'a éclaté en faisant si tu étais un Bambi? Là les mecs, on est sur Fortnite et ce streamer, les gars, je pense qu'il m'a cramé. Il s'est rappelé que c'était Père Noël qui l'avait tué à la deuxième game. Et bien évidemment les gars, là on va l'accepter et on va tout faire pour lui faire croire que c'était pas nous et que c'était un pur hasard. Zeros YouTube, accepté, on invite Zeros. Oh, le Père Noël. Bonjour. C'est pas vous qui m'avez tué juste à la game précédente là? Pas du tout, je peux comprendre que vous doutez, mais non, ce n'est pas moi, c'est juste un pur hasard. Cela me semble bizarre, Père Noël, quand même, hein. Et deuxième argument, la personne qui vous a tué avait un skin banane. Il ne peut pas avoir un skin de cette telle rareté. Ok, bref, je m'en fous un petit peu. Passons aux choses sérieuses, c'est quoi ce contrat que vous m'avez parlé Pour commencer, j'aimerais bien un peu plus de respect. Vous m'avez l'air un peu insolent, arrogant. Du coup, vous allez vous calmer et vous commencez déjà par me vouvoyer. Pardon. Ce n'est pas grave, c'est juste, voilà, les jeunes de nos jours, maintenant, ils ont aucune éducation, mais bon, c'est la vie. Pour parler du contrat, on va en parler après. Juste avant, j'aimerais bien tester votre level. Et surtout exposer vos stats. Car j'ai remarqué que vous étiez quand même quelqu'un qui vous vantait beaucoup. Et je pense aussi que vous abusez des choses. Non, je mens pas. Je suis l'un des seuls à avoir dépassé déjà pendant ce chapitre 3 les 1000 top 1. Avez-vous des preuves? Non. Allez, mets-toi prêt, je vais te tester en créatif. Pour commencer, Zeros, tu vas prendre l'AK légendaire et le pompe coup par coup légendaire. J'espère que vous êtes prêts, hein. Parce que j'ai un niveau, vous allez être choqués, hein. Ok, Zeros, on va voir ça tout de suite. Mais là, mec, je te fais une proposition. On fait un BF le premier en 3 manches gagnantes. Si tu gagnes, je t'offre un compte Fortnite d'une valeur de 2000 euros. Il y a la Renegade Raider, la Goule Rose et le Skull Violet. Ok, c'est parfait. Cela me convient très bien. Mais par contre, si c'est moi qui gagne, j'expose ton vrai nombre de top 1. Et bien sûr, à chaque fois que je te tue, je vais exposer une de tes stats. De toute façon, vous pouvez rien dire sur mes stats, elles sont fabuleuses. D'accord, on verra ça. Et aussi, tu m'avais dit que t'avais combien de top 1? Sur ce chapitre 3, j'en ai déjà plus de 1000. Et depuis le début du jeu, j'ai déjà plus de 10 000 top 1. Oh là là, si cela est vrai, c'est vraiment incroyable. Allez, c'est parti, mon pote, pour la première manche. Hop là. Crac. Hop là, ça dégage, tu m'as même pas touché. Ouais, t'as eu de la chance, mon ref. T'inquiète, la prochaine, ça se passera pas comme ça. Je suis pas votre pote. Viens à côté de moi maintenant, je dois exposer ta première stat, ton cadet. Zeros, combien de kills fais-tu en moyenne? Entre 18 et 33 kills par game. Premier mensonge, j'ai regardé et ton cadet est de 2,21. Du coup, en moyenne par game, tu fais 2,21 kills et pas entre 18 et 33. Tu es un menteur. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mes sources sont des sources sûres. Et si je te bats encore cette fois-ci, je vais exposer ton nombre de kills depuis le début du jeu. Alors, ça galère à me toucher là?
Raquet. Oh là là, Chiton! C'est pas possible! Comment je peux mourir par un Bambi alors que je suis le meilleur joueur du chapitre 3? Bah, ça veut dire que t'es pas le meilleur. Allez, viens à côté de moi, je vais exposer ta deuxième stat. Combien as-tu fait de kills depuis le début du jeu? Je pense que je dois facile tourner autour des 2 millions. Encore un mensonge, tu as fait 25 952 kills. Pourquoi tu mens, Zerose? Non, je mens pas. Allez, allez, arrête de bégayer et là c'est parti pour le dernier 1v1. Et si je te bats, je vais afficher la stat la plus importante, ton nombre de top 1. Bonne chance, fais gaffe à toi. Oh la tête! Ouais, non! Mais c'est quoi cette chance de malade? Oh là là, je t'ai explosé. Après, tu prétends être un joueur pro. Je t'ai chitonne quand même deux fois. Maintenant, viens par ici, on va parler sérieux. Combien as-tu fait de top 1 depuis le début du jeu? Bah, depuis le début du jeu, je compte plus de 10 000 top 1. Tu mens encore une fois. Depuis le début du jeu, tu as fait 838 top 1. Pourquoi mens-tu, Zerose? À quoi ça sert? Bah, mon rêve, ça a toujours été de devenir un joueur pro. En mentant sur mes stats, je pensais que c'était plus facile d'intégrer une structure. En vrai, Zerose, tu me fais beaucoup de peine. Il y a plein de joueurs comme toi qui rêvent de devenir joueur pro, mais c'est impossible parce que le level est beaucoup trop haut. Et je pense quand même que je vais t'embaucher dans ma structure. Non, c'est vrai? Et non, c'est une blague. C'est moi qui t'as streamhack, c'est moi qui t'ai tué, c'est moi le Père Noël, et j'ai pas de structure. Salut!